Madame, Monsieur, bienvenue dans l'espace invité. Nous recevons aujourd'hui Annie Fourny. Annie Fourny, merci d'être là. Vous êtes graphiste, vous habitez Ramilly ou vous habitiez de Renaud, parce que vous allez partir bientôt pour un grand projet, The One Thing, un projet avec votre compagnon. Alors, expliquez-nous un petit peu ce projet original. Ok. L'idée, c'est de partir autour de l'Europe, en gros la mer Baltique, pour prendre des photos de gens avec un objet qu'ils représentent. Alors vous allez partir, c'est tout frais, c'est vendredi que vous partez. Vous partez quoi? En stop, en train, en voiture? Comment va se passer ce voyage? On commence en train. En fait, on a notre premier trajet vers l'Allemagne en train. Et puis après, on est parti en stop. Et on compte sur la générosité des gens pour nous offrir un trajet par-ci, par-là, ou en tout cas nous aider dans notre trajet. Voilà, le projet a germé dans deux têtes. On l'a dit avec votre compagnon Colin Harrison, il est photographe, il est américain. Et on a à côté de vous l'appareil. Alors, c'est évidemment pas un appareil qu'on trouve dans les magasins classiques. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de cet appareil qui date du début du 20e siècle. Oui, tout à fait. Donc, il est de 1909. C'est un appareil de reporter. Donc, à la base, c'était un appareil photo de presse sur lequel on a apposé un support Polaroid, donc qui prend des photos instantanées. Voilà, donc c'est un peu comme les Polaroid qu'on avait dans les années 70. C'est oui, un tout peu à fait. C'est des années 70, il est d'époque d'ailleurs. Au niveau photo, ça donne un rendu particulier? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est le type de film a des couleurs un peu spéciales et avec l'objectif qu'on a, qui est très 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 précis, vous avez des couleurs un peu floues, un peu. Voilà, des couleurs un petit peu particulières, on verra ça. On voit le logo hein, ici que vous avez fait. L'aventure, ben, vous allez la vivre à deux avec les gens que vous allez rencontrer, mais les gens, le public, peuvent également participer en finançant quelque part votre projet. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc en fait, on va rencontrer des gens sur la route à qui on pourra proposer, en échange d'un support au projet, s'ils aiment le projet, on leur proposera de leur donner une de nos photos. Alors au niveau du voyage, ben, vous travaillez, votre compagnon également, comment ça se passe? On se dit à un moment, on quitte tout pour se lancer dans ce projet? Oui, c'est une idée qu'on avait depuis un bout de temps, qu'on travaillait déjà, l'envie de partir, d'aller visiter, et puis à un moment, il faut juste se lancer et se dire, ben, c'est maintenant ou jamais. Et on s'est lancé. Alors aller jusqu'à la mer Baltique, pourquoi cette direction-là plutôt qu'une autre direction? C'est juste un coin qu'on connaît moins, toute la partie nord-est de l'Europe. Et puis c'est un coin que personnellement on avait aussi envie d'aller visiter. Alors vous partez, vous allez évidemment faire plein de rencontres, ben, tout à fait sans doute inattendues. Est-ce que vous avez une idée du nombre de photos que vous allez ramener de votre voyage? On espère 200-250 photos, mais en fait, notre campagne qu'on a lancée a déjà dépassé ses limites, son budget. Là, vous avez déjà récolté combien de fonds pour l'instant? On a des 800 qu'on avait demandé à l'origine, on est à plus de 1000 euros. Donc, je pense qu'on aura plus de photos que prévu. Voilà, des photos avec des fonds. Et alors, les gens que vous allez rencontrer peuvent également hein, se dire, moi, ce projet m'intéresse, peuvent également le financer. Oui, tout à fait. Et là, à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il y a en échange de ce financement pour donc, ces gens-là? Pour le moment, la campagne qui est là, ça dépend vraiment de combien les gens veulent nous donner. On a déjà des cadeaux, enfin des remerciements à partir de 5 euros. Mais ça va de cartes postales avec des photos qu'on aura prises le long du chemin à un livre fait main. Il y a vraiment de tout. Et si vous nous donnez, par exemple, 1 euro, alors vous avez des remerciements par email. Alors expliquez-nous un petit peu, effectivement, l'appareil déjà, à mon avis, au niveau communication, ça facilitera sans doute les rapports avec les gens qui vont peut-être être étonnés avec cet appareil-là. Vous faites les photos, vous êtes graphiste, est-ce qu'après il y a une idée peut-être d'exposition, de livre, est-ce qu'il y a déjà un projet qui va plus loin, je dirais, que le voyage? Tout à fait, l'idée donc est de faire une exposition à notre retour, au moins en Belgique, mais si c'est possible, si on arrive à le faire entrer dans notre emploi du temps, on aimerait bien retourner dans les villes qu'on a visitées et faire un projet sur place. Alors, réexpliquez-nous vraiment la photo. Donc, il y aura la personne et puis, quoi, vous allez demander vraiment l'objet qui le caractérise le mieux. Comment ça va se passer, cette relation avec le modèle, entre guillemets? Voilà, donc en fait, il y a tout à fait une part de créativité qui vient du modèle lui-même où la personne va choisir un objet que eux leur est vraiment proche ou personnel. Et donc, c'est à nous de capturer la relation qu'ils ont l'un avec l'autre. Si vous aviez fait cette photo, vous l'avez peut-être fait, avec quel objet que vous êtes fait photographier? Bonne question. Ma théière. J'ai une théière qui est parfaite. Elle est très jolie, elle est toute blanche,
Est parfaite. Donc moi, c'est ma théière. Mais cet objet et la personne, ça raconte une histoire. C'est exactement également ça qui est intéressant. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est non seulement un portrait qui dit énormément, mais avec un objet, on a toute une personnalité, toute une histoire qui se développe, qui est vraiment très, très intéressante. Et votre compagnon, Colin Harrison, il s'est fait photographier avec... Avec quel objet, lui ? Avec l'appareil, avec je suppose. Avec son appareil photo, oui. Voilà, voilà. Alors, on a parlé du voyage. Je suppose qu'il y a toutes les nuits qui arrivent. Là, comment ? C'est des hôtels toutes les nuits ? Ou je suppose que c'est un énorme budget ? Ou comment on s'arrange, là ? C'est un énorme budget. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas le faire. On a prévu, donc, de dormir avec le système de couchsurfing. Le couchsurfing, c'est des personnes peuvent mettre à disposition sur un site, bien un site dédié, leur fauteuil ou une chambre d'amis qui n'est pas utilisée. Et donc, on peut faire des échanges, soit accueillir des gens chez nous, soit voyager chez des habitants pour dormir une nuit, deux nuits, trois nuits. Voilà, ça permet évidemment de réduire les coûts. On arrive au bout de l'entretien. Dernière question, est-ce que vous avez déjà testé votre projet photo avec un objet ici en Belgique et quel est l'accueil ? Oui, tout à fait. Donc, on a déjà fait une séance photo. Je pense que vous avez montré l'une ou l'autre photo. On a déjà eu quelques photos, voilà. Voilà. C'est très, très sympa. En fait, les gens sont très enthousiastes. Et surtout, le fait que ce soit un film instantané, on a les résultats tout de suite. Et c'est très, très chouette. Et on aura vite fait de dépenser nos 800 photos si ça se passe aussi bien que la première séance. Voilà. Eh bien, merci en tout cas, Annie Fournier. Et puis, bon voyage avec Colin Harrison. Et puis, on vous regardera sûrement à l'arrivée pour voir les résultats de ce projet The One Thing. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À bientôt.